C'est combien en tout? Vous avez combien de vaches? 6. Ok. Là, vous allez rentrer? Oui, oui. Ok. Et tous les matins, vous faites la balade? Il y a deux mois qu'elles sont parties. Elles étaient en liberté. Elles étaient en liberté jusqu'à présent. Ah oui, ouais. Vous faites quoi sinon, d'habitude? On les change de territoire. Ah ok. Maintenant, ils vont où? À droite. À droite? Tous les jours, vous faites quoi? C'est quoi votre quotidien? Ah oui, on se lève à 6h tout le matin, jusqu'à minuit. Jusqu'à minuit? Ouais. C'est fatigant ou pas tous les jours comme ça? Non, on est habitué maintenant. Mais vous faites quoi de 6h jusqu'à minuit? On s'occupe des bêtes. S'occupe des bêtes. Ok. Et les bêtes, vous avez quoi comme bêtes? Des vaches et des brebis. Des vaches et de... Des brebis. Des brebis, ok. Combien de vaches, combien de brebis? Oh, 1000 brebis. 1000? Oui. On peut aller chez vous pour voir? Elles ne sont pas ici, elles sont dans un autre village. Et est-ce que maintenant la vie est plus difficile pour vous? Oh non, non. Ah oui? Est-ce que les prix ont augmenté, toutes les matières premières ont augmenté? Oh, un peu, oui, mais c'est voulu tout ça. C'est voulu? Oui, oui. Pourquoi c'est voulu? Oui. Vous avez senti que c'est voulu? Oui, oui. Par qui? Par la direction. Dictature? Oui, oui. Ah oui, vous trouvez que nous sommes dans la dictature? Oui, oui. Sam, c'est Jean. Qui c'est qui m'appelle là? Ah, mais c'est toi, oui. Excuse-moi, ça va? Bonjour. Je te filme parce que je travaille pour une télévision. Alors, n'aie pas peur, tu vas pas être mis en prison. Hein. Voilà, où est-ce que vous montez les bêtes? Hein? Où est-ce que vous les montez les bêtes? Je les mets chez la RIC, là. Oui, c'est ce qu'on appelle la transhumance. Quand ils passent de la transhumance. Oui, la transhumance, c'est quand ils vont de la montagne vers une propriété. Ou de la propriété vers la montagne. Ok, donc là il va vers la propriété. La propriété, parce que c'est l'hiver bientôt. Ah, ok. Il n'y a pas que ça. Ils savent qu'elles vont bientôt aller vers leur propriété. Ah, ils sont contents? Ils sont très contents. Ah, oui. Ils reconnaissent. Alors il n'y a que le mot qui ne reconnaît pas, mais il suit sa mère. Alors tu vois, ils partent par le chemin là. Ah. Par ce chemin, après tu pourrais y aller sur les voies. Ça devient difficile pour... les charges augmentent, les revenus baissent, le prix des vaches et des veaux ne bouge pas. Et vous pouvez nous donner un peu plus de détails, c'est-à-dire quel type de matière première se devient plus élevé? C'est pour les professionnels, il y a un gasoil qui est normalement moins cher que l'autre. Mm-hmm. Avant, l'année dernière, on le payait, je crois, on arrivait à 1 euro TTC. Mm-hmm. TTC. Mm-hmm. Là, on est à 1 euro 50. Donc, 50% de plus. Ouais. Voilà. En gros, les 500 litres, on les payait 500 euros, maintenant on les paye 800. Et encore, ça c'était il y a deux mois, je pense que ça a encore augmenté. L'aliment, on est passé de 300, l'aliment qu'on donne pour les vaches, hein, pour les veaux, qui est passé de 300 euros la tonne à 450. Le foin est passé de 100 euros la tonne à 200. La paille de 58 euros la tonne à 110. Donc tout monte en flèche. Et au niveau de même, que ce soit la paille, l'aliment ou le foin, il n'y a pas de...
En ce moment, il n'y a personne qui... Il n'y a pas de prix. Enfin, je veux dire par là, c'est que... d'habitude, certains fournisseurs nous donnent des contrats pour 6 mois. Ils disent, voilà, je te fais un contrat, je te mets cet aliment à tel prix, et tu l'as pareil jusqu'à 6 mois. Là, ils ne le font même pas parce qu'ils savent que ça va augmenter tout le temps. Donc là, on est à 450. Peut-être que dans 2 mois, il sera à 500 euros. Peut-être que dans 3 mois, il sera à 600 euros. On ne sait pas. Ça avait commencé un petit peu l'hiver dernier. Mais là, depuis cet été, là, c'est depuis la sécheresse, depuis l'Ukraine, mais surtout la sécheresse, je pense. Mm-hmm. Et donc là, ça a mis un sacré coup de... tout est parti en flèche. Quoi. Alors bon, je ne sais pas s'il y a un côté... s'il y en a qui essayent de spéculer... Alors bon, ben nous, on a essayé au maximum de faire un peu en autarcie, donc on a fait du foin, pas mal, mais et après, ben on essaiera de donner moins d'aliments que d'habitude. Hein. Ah d'accord. Ah ben on est obligé parce que de toute façon les vaches et les veaux restent au même prix, donc okay. On perd de l'argent après. Et le prix sont bloqués ou vous pouvez quand même augmenter? Ben en fait c'est un cercle vicieux parce que nous, on est ce qu'on appelle éleveurs-naisseurs. Mm-hmm. Les veaux partent en Italie. Mm-hmm. Donc là, et on fait partir, nous, avec des maquignons, en fait. On ne vend pas directement. C'est le maquignon qui achète. Et sur les veaux ou sur les vaches, même, plus sur les vaches, mm-hmm. les vaches partent avant de... Nous, ici, c'est des vaches qui font 6 mois à la montagne. Donc c'est des vaches qui ne sont pas grasses. Et maintenant, les vaches, pour l'abattoir, il faut des vaches grasses. Pour avoir des vaches grasses, il faut les amener dans des ateliers d'engraissement. C'est-à-dire qu'ils font venir, les bêtes dans des grandes fermes où on donne de l'aliment. Et donc, dans 3-4 mois, les vaches, elles grossissent. Et donc là, ils disent, on ne peut pas t'acheter la vache plus chère. Parce que nous, on doit acheter l'aliment. Et comme l'aliment, il est aussi plus cher pour eux que pour nous, et bien en fait, voilà. Donc nous, ils nous disent, on ne peut pas te l'acheter plus cher parce que l'aliment est plus cher. Donc l'aliment nous coûte plus cher à nous, donc c'est plus dur pour produire. Mm-hmm. Et en même temps, les autres en profitent pour dire, mais on ne peut pas te l'acheter plus cher parce que nous aussi, nos coûts sont plus chers. Et vous ne pouvez pas vendre votre vache directe? Alors on peut pas. Alors c'est difficile à vendre directement parce que déjà, je ne sais pas si vous avez vu les vaches tout à l'heure, c'est pas des vaches grasses. Mm-hmm. Donc c'est pas des vaches qui peuvent partir directement à l'abattoir. Mais en fait les vaches tout à l'heure, ce qu'on a vu, on peut dire que c'est plutôt des vaches bio. C'est mieux, non? C'est... Alors bio. Enfin, il peut. Oui, mais bio, bio ça veut pas dire. Enfin, ici, c'est sûr, quand on voit autour, on peut se dire que c'est bio. Mmh. Sauf que ça rentre pas dans le bio. Ah bon? Et non, 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 non. Non, non. Bio, c'est spécial. C'est-à-dire que bio, je ne vais pas faire un sujet là-dessus, mais bio, il faudrait, par exemple, pour que la vache elle soit bio, il faudrait que j'achète de la paille bio. Il faudrait que j'achète de l'aliment bio. Moi, sur ma ferme, je suis obligé d'acheter, sur les fermes d'ici de montagne, on est obligé d'acheter les céréales. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas faire de céréales ici dans ces terrains. Mm-hmm. Déjà, vu la pente, mm-hmm. et quand c'est plat, il y a des cailloux partout. Mm-hmm. Donc on ne peut pas faire de céréales. Donc on est obligé d'acheter des céréales ailleurs. Mm-hmm. Et les céréales bio, c'est le double de prix. Alors déjà qu'on a des céréales à 450 euros, on ne peut pas acheter du bio à 800 euros la tonne, c'est pas possible. Enfin, j'exagère, c'est pas autant, mais c'est pour dire. Donc, on ne rentre pas dans le bio, dans la définition, dans l'appellation. Mais après, moi je suis d'accord, on est plus bio que les bio. Là, je suis d'accord, mais sinon on ne rentre pas, nous, dans l'appellation bio. Vous voyez, là, ici, autour, là. Oui. Cette fougère là, vous voyez ça là, là par exemple, vous voyez ce truc marron là, ça c'est de la fougère. Ah, oui. Cette fougère là, alors maintenant c'est plus trop le cas, mais avant, jusqu'à il y a quelques années, tout ça c'était fauché, et ça faisait de la litière. En fait, personne n'achetait ici de paille, ils se servaient de ça. Okay. Et donc ça c'est la litière qu'on mettait derrière, donc les vaches, pour faire du fumier. Et donc, fumier qu'on réutilise dans les prés. Okay.
Et donc tout ça, ça a changé. Tous ces terrains ici, il y avait tout le monde faisait la fougère. Et bon, maintenant, mais la diminution des agriculteurs, bon, mais ça devient compliqué pour ça. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui diminuent. Nous, on a une exploitation. Cette exploitation, avant qu'on la reprenne, c'était 4 petites exploitations. Il y avait dans cette exploitation, donc 4 fois au moins 2 personnes dans chaque exploitation, il y avait 8 personnes. Là, la même exploitation, on est 2. Donc, il faut du matériel, et il y a des choses qu'on ne peut plus faire, qu'on n'a plus le temps de faire. Donc, on achète. Mais là, comme vous dites, comment dire, comme le prix, en tout cas, vous ne pouvez pas augmenter le prix de vente et le coût a augmenté. Ouais. Et c'est-à-dire, vous pouvez continuer de tenir comme ça encore pendant un certain temps là. Alors oui, mais parce que en fait, c'est le problème, c'est le système de la PAC. C'est un système, un peu, on a l'impression qu'on marche un peu sur la tête. Parce qu'en fait, le système de la PAC, c'est ça. C'est que nous, ici, on vit pourquoi ? Parce qu'on ne vit pas, de la vente des vaches ou la vente des veaux. On vit des primes. Des primes de l'Europe. C'est quoi ? Ça s'appelle on parle d'une prime de compensation. On peut dire une subvention un peu ? Non ? Une aide, mais c'est des aides. Mais 90% des agriculteurs français en ont. Hein. Ah, okay. 90% même des agriculteurs européens en ont. Mm-hmm. Ils ne pourraient pas vivre sans ça. En fait, on essaye, l'Europe, avec la PAC, essaye de se mettre au niveau international, mm-hmm. au niveau des prix. Mm-hmm. Mais comme ce n'est pas possible, ils donnent de l'argent aux agriculteurs pour tenir le coup. C'est comme si, par exemple, un bureau de tabac, il vend des cigarettes, le bureau de tabac, il reçoit des cigarettes qu'il paye, on va dire, 10 euros. L'État lui dit, il vend tes cigarettes 5 euros. Et l'autre lui dit, mais je peux pas, je vends en perte. Il dit, ok, tu fais ça, mais nous, on te donne... Une prime. On te dit, ouais, on te donne le reste pour que tu tiennes le coup. Mais okay. C'est pareil en fait, l'agriculture française elle est comme ça. Ça c'est depuis combien de temps ? La PAC c'est depuis les années 80. Donc c'est-à-dire depuis 40 ans que vous touchez toujours ce prime en fait, c'est ça ? Et alors, il y a des zones où il y a plus ou moins de primes en France. Et il y a aussi des... Ça dépend des productions, c'est très compliqué. C'est la PAC, qui est la politique agricole commune, qui est juste au niveau européen, est remis en cause tous les 5 ans. Tous les pays européens cotisent, et après c'est redistribué. C'est redistribué. Et par exemple, vous touchez combien de primes par an ? C'est par mois ou par an ? C'est par an. Par an, c'est combien par exemple pour vous ? Nous, on est deux et on touche 55 000 euros de primes. D'accord. C'est-à-dire, sans ce prime-là, c'est sûr que vous ne pouvez pas vivre normalement ? Non, on arrête. C'est pas question de vivre, c'est qu'on arrête. On arrête l'exploitation. Demain, on arrête. Okay. Ah oui, c'est pas compliqué. Okay. C'est facile. Par rapport à la sécheresse, parce que vous avez parlé cette année aussi à cause de ça, quelle est la conséquence en fait déjà c'est sur tous les prix qui augmentent au niveau de tous les prix du foin des céréales qui augmentent. Et par rapport à la sécheresse, quel est votre constat en fait ? Vous pouvez observer quelque chose de vraiment significatif ? Ah oui, nous on observe ici. Ici, nous d'habitude, il pleut très 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 souvent. Et les ruisseaux sont toujours remplis. Et c'est, moi, j'étais pas du milieu agricole, hein, et j'étais pas d'ici non plus. Je suis arrivé ici il y a 25 ans, mais j'ai toujours vu de la pluie, j'ai toujours vu beaucoup d'eau partout, etc. Mais depuis quelques années, déjà, on voit par rapport au froid, par rapport à la neige, par exemple, sur le village d'Arrête. Nous, on habite à Arrête, sur le village d'Arrête. Jusqu'à de 2000 à 2009, quand moi je suis arrivé en 2000, en 99, jusqu'à 2009,
chaque année, il y avait de la neige pendant 4-5 jours sur le village, qui restait en bas. Ici, je vous en parle, ici, pire encore, mais en bas, il y avait au moins 4-5 jours de neige, qui restait, quoi. 4-5 jours. Et en 2010, il n'y en a pas eu. En 2011, c'est revenu une fois, et depuis, plus rien. Depuis 2011, il n'y a plus de neige qui est restée en bas. Terminé. Ça fait 10 ans qu'il n'y a plus de neige. Ça fait 10 ans. Et après, les ruisseaux. Les ruisseaux, ben, là, on est descendu de la montagne, on était dans la montagne qui était derrière, là, on est monté à plus de 1000 mètres de hauteur. Et là, presque tous les ruisseaux qu'on a vus sont à sec. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Ça fait peur ou pas pour l'avenir? Oui. Ah oui, parce que ici c'est les sources qui font. Ici, le village d'Arrête, par exemple, il est alimenté par les sources des montagnes. Donc le jour, les sources de montagne, là, normalement, il y avait ça d'eau qui coulait. Maintenant, c'est ça, quoi. Donc, ça peut, à mon avis, oui, poser des gros problèmes à l'avenir. Oui. C'est sûr que si ça continue comme ça, on est mal barré. Oui. C'est sûr. Comment vous vous appelez ? Alors, je m'appelle Maxime Libarle, j'ai 25 ans, donc je suis installé sur la ferme familiale avec mes parents depuis 6 ans bientôt. Donc ici, nous élevons des brebis et vaches laitières et des cochons en plein air aussi. Aujourd'hui, nous commercialisons tout en vente directe sur Bordeaux et aux alentours. Donc au niveau justement des matières premières qui ont augmenté, là, par exemple, je vais vous montrer par exemple. Ça, c'est un mélange de céréales qu'on achète. Par exemple, c'est du maïs et d'autres céréales dedans mélangées. D'accord. Tout ça, le prix a presque doublé, on va dire, d'un an. D'accord. Et après, par exemple, on peut voir de la luzerne. Donc ça, c'est un fourrage qu'on achète beaucoup, qui est très bon. Et donc ça, par exemple, l'année dernière, ça, le prix, on était aux alentours de 210 euros tonnes livrées. Aujourd'hui, on est dans les 320 euros tonnes livrées. Donc ça a pris... 50%, ça a pris, ouais. 50%. À peu près, voilà. Donc ça, c'est pour le. Ça, c'est pour donner à manger aux brebis. Donc là, qu'on voit derrière. Et donc là, justement, vous pouvez voir les premières brebis qui ont mis bas avec les agneaux. Voilà, du coup, elles ne sont pas très contentes parce que je suis un peu en retard pour l'heure, donc c'est pour ça, ça veut le dire. Voilà. Il y a combien ici Donc ici, en tout, sur la ferme, il y a 260 brebis. Et donc là, ce qu'on voit à droite, c'est les 50 brebis à peu près qui ont mis bas, donc leurs agneaux. Il y a à peu près 90 agneaux. Et tout le reste des brebis vont mettre bas au fur et à mesure, tout au long de l'année, jusqu'à à peu près février, on va dire. Et à février, du coup, on n'aura plus d'agneaux qui vont naître. Et donc là, vraiment, les journées, ça sera celle que je vous disais au départ, les journées types. Ça va être traite le matin, soigner les brebis, fabrication de fromage. Et le soir, on resoigne, et on a fini la journée. Donc voilà. Du coup, le prix de vente de tous ces... Voilà, aujourd'hui, le prix de vente, on va dire, nous, tout ce qu'on achète, céréales, tout ça, le prix a vraiment augmenté, on va dire, on peut partir, je pense, sur une moyenne de 30 à 50% tout. Mais aujourd'hui, nos prix de vente n'ont pas vraiment augmenté. Mais pourquoi ? Je dirais que c'est vraiment une histoire de concurrence un petit peu. C'est dur à expliquer en fait. Par exemple, moi je ne sais pas trop exactement comment ça se définit, mais aujourd'hui dans les commerces, les prix, au final, je veux dire, en bout de chaîne, les prix ont augmenté, mais nous, prix agriculteurs, les prix ont augmenté de peut-être 10% nos prix de vente. D'accord. Et pas vous vendez la majorité de vos produits, vous vendez chez les supermarchés ? Non, moi en fait, justement, du coup, quand je me suis installé avant, on vendait nos produits à des revendeurs qui
qui vendaient ensuite à des supermarchés. Ouais. Aujourd'hui, du coup, avec mes parents, il y a 6 ans, on a fait le choix de tout vendre en direct. On est parti du coup depuis 6 ans sur Bordeaux. Uh-huh. C'est à peu près à 2h30 d'ici. Et aujourd'hui, on vend toute notre production rien que sur des marchés et sur des magasins de producteurs et restaurateurs aussi. Okay. Donc aujourd'hui, on écoule tout nous-mêmes. Donc justement, un peu c'est, la force. C'est mieux, c'est voilà. Ça. La force qu'on a, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vu qu'on peut vendre tout nous-mêmes nos produits, il n'y a pas d'intermédiaire, donc plus de marge pour nous. Et du coup, ça nous permet un peu de régler le prix de vente. Comme par exemple, nous, depuis un an, on a un peu impacté la hausse, par exemple, sur le fromage de 1 euro du kilo. Et ce qui nous permet un peu de tenir le coup. Super. Donc maintenant, je vais vous laisser de nourrir. Les brebis. Oui. D'accord. Là, maintenant, je vais donner le maïs, ce qu'on a montré avant. Et là, maintenant, je vais ouvrir les tapis pour que les brebis mangent. Ok. Calme. Non mais c'est parce que je suis en retard ce soir alors normalement la journée c'est calme comme ça tout le temps. Mais du coup c'est en fait ce soir vu que je suis en retard en fait vu qu'on travaille tous les jours à peu près aux mêmes horaires elles arrivent à savoir à peu près dans leur tête quand va arriver le moment. Donc voilà, donc toutes ces brebis doivent mettre bas, elles doivent faire des agneaux et ça c'est les brebis qui ont fait les agneaux. Une fois qu'elles ont fait les agneaux elles font du lait. Et après, c'est à partir de ce moment qu'on va pouvoir les traire, récupérer le lait pour le transformer en fromage. D'accord. Ouais. Tout ça, en fait, tout ça, c'est né en même pas une semaine. Donc, il y a à peu près 50 brebis qui ont mis bas et il y a à peu près 90 agneaux qui sont nés en même pas 5-6 jours. Et donc, quand on a cette période de mise bas, il faut surveiller de jour comme de nuit parce qu'elles mettent bas comme des femmes à n'importe quelle heure. Il faut être là pour surveiller que tout se passe bien. Donc, eux, durant leur enfance, ils vont boire que du lait de leur mère, rien d'autre. Donc toute la journée, ils têtent à leur mère et ils vivent que de ça. Il y a juste quelques petites exceptions. Lui et un autre, c'est les agneaux que je fais téter au biberon. Parce que leur mère en a eu plusieurs et elles en ont abandonné au bout d'un moment. Bon, lui, il a eu un peu de caca sur la tête. Mais il y en a d'autres. Donc en fait, je disais qu'à peu près, on va dire, tous les fourrages et céréales ont augmenté entre 30 et 50% moyenne. Mais du coup, c'est pour ça que ça devient beaucoup compliqué pour beaucoup de paysans. Nous, la force qu'on a, vu qu'on vend en direct directement aux clients, on élimine beaucoup d'intermédiaires, donc on a une meilleure plus-value sur nos produits. D'accord. Et du coup, on a pu se permettre d'augmenter nos prix de 1 euro du kilo, ce qui semble pas énorme, mais sur la quantité qu'on produit à l'année, ça fait une jolie différence qui nous permet, on va dire, de compléter la hausse de tous nos intrants. Aujourd'hui, ça devient très très dur de trouver de quoi nourrir les animaux pour passer l'hiver. À tel point que ici, pas vraiment, mais dans les Alpes ou d'autres secteurs de la France, ils sont obligés de vendre des animaux parce qu'ils ne vont pas avoir assez pour les nourrir pour passer l'hiver jusqu'au printemps l'année prochaine. D'accord. Donc la pénurie s'est fait déjà ressentir au niveau de ça et la pénurie aussi a été un motif, entre guillemets, pour augmenter les prix. Les carburants aussi ont bien augmenté pendant une période. Ils ont un petit peu rebaissé là, le prix des carburants agricoles, mais tout le reste a bien augmenté. Et je vois en fait sur l'ensemble des intrants, que ce soit les produits pour fabriquer les fromages ou tout autre produit, a augmenté à au moins 30% aujourd'hui. Okay. Est-ce que, parce que j'ai interviewé certaines personnes, ils m'ont dit que c'est grâce à l'aide de l'Union européenne pour tous les agriculteurs, sinon ils ne s'en sortent pas. Ah oui, en fait. C'est votre cas aussi ? Oui, en fait, moi du coup, comme un peu on me l'a expliqué à l'école et comment je l'ai compris, aujourd'hui on touche de la PAC, c'est des primes européennes. Donc c'est en fait pour pouvoir. Vu qu'aujourd'hui au niveau mondial, on va dire européen, il y a une concurrence, on n'a pas les mêmes contraintes. Par exemple, en Espagne, ils vont avoir le droit d'utiliser des produits que nous, on n'a pas le droit en France. Du coup, aussi, le coût de la main-d'œuvre en Espagne est bien moins cher qu'en France. Donc, par exemple, nous, on n'est pas compétitif par rapport à certains produits et vice-versa. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, pour pouvoir rester compétitif au niveau européen, donc aujourd'hui, on vend nos produits à perte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vend nos produits
moins cher que ce que ça nous a coûté à les produire. Donc les aides PAC nous aident un peu à combler ce manque à gagner, voilà, cette différence, pour pouvoir rester compétitif par rapport aux autres pays et du coup que tous les pays puissent pouvoir en vivre de leur métier. D'accord. Donc, voilà. Et vous, par exemple, vous recevez combien de subventions, on peut dire, des aides d'État, enfin de l'Union européenne par il faut, attends, on va refaire, il faut dire les montants ou pas Oui. D'accord. Donc, ouais. Donc moi aujourd'hui, vu que je suis associé avec mes deux parents, avec la Prix Montagne, parce qu'on a les brebis qui transhument en estive et plein d'autres choses, aujourd'hui on touche à peu près, on va dire 50 000 euros à peu près au total. Sans ça, je pense que 98% de l'agriculture en France ne survivrait pas sans ces aides européennes. C'est vraiment pour ça, en fait, aujourd'hui, on produit, on revend nos produits à perte. Donc, c'est vraiment ça, en fait, ces aides européennes. C'est pour pouvoir joindre les deux bouts, on va dire, équilibrer. Donc, grâce à ça, on arrive à vivre de notre métier. Mais ça reste quand même très contraignant au niveau des horaires et... j'arrive pas à finir ma phrase. Mais, c'est-à-dire, en gros, si on dit, si jamais un jour l'Union européenne a décidé d'arrêter cette aide, oui. C'est-à-dire l'agriculture française sera terminée. Je pense que si demain, par exemple, l'Union européenne arrête ses aides, si on continue comme on fait aujourd'hui à faire rentrer des produits moins chers que ce qu'on produit nous-mêmes sur notre territoire, je pense que oui, en effet, beaucoup, je pense que les trois quarts de l'agriculture française ne tiendra pas le coup. C'est un peu, on va dire, les avantages et les inconvénients un peu de la mondialisation. On arrive à avoir de ce qu'on veut toute l'année. Du coup, on peut faire rentrer plein de produits pas chers, mais du coup, des produits qui nous reviennent plus chers à produire en France parce qu'on n'a pas les mêmes façons de travailler, on n'a pas les mêmes autorisations. Et aussi, le coût de la main-d'œuvre, par exemple, est plus élevé en France que dans d'autres pays. Donc oui, je pense vraiment que ça serait très dur pour l'agriculture française de continuer. Ouais, vous pouvez rester... Ne touchez pas le fil, hein. Il y a le courant dedans, sa clôture électrique. Enfin oui, okay. Vous pouvez venir. Après, s'il se frotte à vous, vous allez puer le cochon. Ah. Ça, c'est les cochons. Viens, Titi. D'accord. Yeah. Donc ça... Voilà. Voilà, ne touchez pas le fil. C'est juste pour les tenir. Donc ça, c'est les cochons qu'on élève en plein air. Donc il y en a 12. On fait par bande de 12. Oui. Donc les cochons, ici, c'est leur petite maison dedans qui est isolée. Ils sont à l'abri. S'ils ont un abri dehors, on leur donne un mélange de céréales, si vous voulez. Et après, par contre, c'est des cochons qui ont accès jusqu'à la forêt en bas. Et il faut savoir qu'un cochon, ça mange énormément d'herbes. C'est un animal très propre, contrairement à ce qu'on dit. En fait, il va, par exemple, faire tous ses excréments dans un coin. Il va le faire loin de là où il dort. Et après, ce qui va se passer... Et après, aussi, c'est un animal très propre, parce que s'il se baigne dans la boue, comme on dit, c'est pour deux choses. De un, c'est pour se déparasiter, c'est pour laisser tomber les parasites dans la boue. Et de deux, c'est pour se protéger des coups de soleil. Ça va en fait leur permettre, en fait, de... ça va faire un écran de poussière sur la peau et ça va les protéger des coups de soleil, en fait. Et le cochon, j'ai entendu que les cochons sont très intelligents, est-ce que c'est vrai? C'est ce que je dis, les cochons sont très intelligents et très sociables. Et très sociables, vraiment, c'est un animal que j'avais commencé, enfin on va dire, j'avais commencé à en élever 4 il y a à peu près 5-6 ans, juste pour moi, pour ma consommation personnelle, savoir les cochons que je mange. Je voulais manger moi des cochons qui sont élevés en plein air, qui mangent énormément d'herbes et qui courent. Du coup, on a une viande plus persillée, des jambons et de la viande de meilleure qualité. Et du coup, oui, très intelligent, parce qu'ils comprennent très vite. Par exemple, juste un fil de clôture, ils savent qu'il y a le courant. Avec juste un fil de clôture, ils ne vont pas chercher à s'échapper. C'est des animaux vraiment très intelligents et très sociaux, vraiment. Mais une fois que... C'est-à-dire, vous savez qu'ils comprennent tout. Oui. Et le moment que vous devez les abattre. Tuer, comment vous allez... Alors, ouais, tout à fait. Alors, cette question par rapport aux animaux, je comprends entièrement. Mais moi, je vois la façon de plutôt... Toute leur vie, ils vont manquer de rien. Ils vont être bien nourris, ils vont avoir tous les soins qu'ils méritent. Il n'y a aucun souci. Mais du coup, on va dire, le jour où on va les abattre pour les manger, je vois plus ça, on va dire, comme un sacrifice. Toute leur vie, je leur ai donné tout ce qu'ils voulaient pour bien vivre. Mais voilà, c'est leur. Et au final, c'est un peu aussi une forme... Enfin, je les respecte toujours, si vous voulez. Mais du coup, c'est quand même aussi une façon pour moi de manger. Si je les tue, entre guillemets, c'est pour pouvoir me nourrir. D'accord. Et qu'est-ce qu'ils mangent, juste pour voir? Eh bien, donc ici, après, je suis un peu en retard. Du coup, il n'y a plus grand-chose dans les auges. Attendez, vous avez 30 secondes, je vais leur donner à manger. Après, si vous voulez sortir un peu, je vais chercher juste les seaux d'aliments. Enfin, je vais vous montrer un peu... Les cochons sont propres.
sûr. Donc là, les cochons... Qu'est-ce que c'est déjà? Voilà. Donc là, les cochons, en fait, c'est ce qu'on appelle le liman. En fait, si vous voulez, c'est de la céréale qu'on va... C'est la céréale, en fait, si vous voulez, qui est broyonne, on fait de la farine. Mm-hmm. Et après, ils vont la compresser pour mettre en forme de bâtonnet. On voit d'ailleurs des petites différentes de couleurs dedans. Mm-hmm. C'est plusieurs sortes de céréales, en fait. Mm-hmm. Donc, mes cochons, en fait, ne mangent que de la céréale. On va dire à peu près 60% de leur alimentation. Mm-hmm. 30% de leur alimentation, c'est de l'herbe qu'ils mangent là-bas dans le champ. On leur donne du coup l'herbe à la clôture pour qu'ils en aient tout le temps un peu. Parce qu'il faut savoir d'abord que les cochons, c'est un animal qui va manger, qui va avoir besoin aussi de retourner la terre parce qu'il cherche sous la terre des vers ou autre chose à manger. Ah, c'est vrai? Voilà. Et donc, une fois qu'il a mangé l'herbe en surface, enfin, une fois qu'ils ont mangé l'herbe en surface, nos cochons, ils vont chercher avec le groin à retourner la terre. Ah, c'est super. Donc, vu que je vais éviter de faire ça pour éviter d'avoir un champ de bataille, ce que je fais, une fois qu'ils ont à peu près fini de manger une parcelle d'herbe, je leur en donne une nouvelle, je fais une rotation pour qu'ils aient toujours de l'herbe à manger. Mmh. Et voilà. Ok. Allez, Kitty. Alors, s'il y a pas de lumière dessous. Ça aussi, le prix a augmenté 50%. Oh, oui, à peu près. Entre 30 et 50%, on peut faire une moyenne de tout. Okay. Voilà. Tout a augmenté à peu près de 30 à 50% en moyenne. Donc là, du coup, je leur donne un peu le souper, vu que je suis en retard. Oh. Allez, mangez, les gars. Ok. Mmh. Allez, mangez. Hé, hey, sors de ta gamelle, toi. Allez, hop, allez. Allez, bouge. Allez. Comme Titi. Donc, après le manger... Oui. C'est-à-dire, c'est possible, il va descendre pour chercher d'autres choses. Voilà, jour et nuit, ils font ce qu'ils veulent leur vie. Oui, non, ils ne mordent pas après, normalement. Okay. En fait, voilà, ils dorment dans ce cabanon qui est isolé. C'était un ancien saloir enterré. Avant, on a fini les fromages, c'était dedans. Mm-hmm. C'était enterré, mais on a eu un problème, on va dire, d'hygiène. Donc, on a dû faire le saloir en haut. Du coup, les cochons, ils dorment dedans. Du coup, c'est isolé. L'hiver, ça les protège du froid. Et l'été, ça les protège du chaud. Mm-hmm. Et toute la journée et la nuit, en fait, ils ont accès en bas. Donc, le premier parc est tout labouré, en fait. On le laisse, ils ont accès toute l'année. Donc, ils le labourent, ils en profitent pour se baigner dans la terre et tout ça. Mm-hmm. Et après, on leur donne, en fait, de l'herbe qui va jusqu'en bas au bois. Donc, ils ont accès jusqu'au bois, en bas, nos cochons. Mm-hmm. Et ce que je vous expliquais, on fait une rotation de clôture pour qu'ils aient toujours de l'herbe toute l'année. Super, voilà. Un cochon mange des herbes. C'est ça, voilà. J'étais très surpris qu'un cochon mange autant d'herbes. Mm-hmm. Je dirais pas autant qu'une vache parce que c'est plus petit, mais vraiment, c'est après, c'est un herbivore, c'est comme nous. C'est-à-dire qu'il mange des végétaux comme il pourrait manger de la viande. Mm-hmm. Mais on évite de leur faire manger de la viande. Mm-hmm. Ici, il y a quelques années, enfin il y a 10 ans, ma mamie en faisait beaucoup. Mm-hmm. Et si jamais les cochons à l'époque pouvaient coincer une poule, ils mangeaient la poule vivante. Il restait que les plumes et... Là, c'est un animal aussi, c'est du coup un omnivore. S'il a accès à la viande, il va un peu se mettre à manger. Mais voilà. Donc ici, du coup, les cochons, ils mangent à peu près, on va dire, 60% de céréales, comme on vient de voir, 30% d'herbes et 10% de petit lait, on va dire, au niveau de l'alimentation. En fait, le petit lait, c'est pendant la fabrication fromagère. On va fabriquer le fromage, on va récupérer la partie avec les protéines dedans, on va séparer la partie liquide et solide. La partie solide, ce qu'on va appeler le caillé, ce qu'on va faire le fromage. Mm-hmm. Et la partie liquide, on va dire, c'est beaucoup d'eau, mais dedans, il reste un peu de protéines. Mm-hmm. Et du coup, ils ont une baignoire où dedans, le petit lait coule dedans après la fabrication. Et du coup, les cochons vont boire ça. Mm-hmm. C'est un dérivé du petit lait, en fait, si vous voulez. Et c'est quelque chose de très sucré que les cochons aiment beaucoup. Donc, vous êtes installée ici depuis combien de temps? Depuis 20 ans. 20 ans environ. J'ai commencé mon activité il y a 20 ans. Uh-huh. Donc, quelle est votre ressource en fait? Comment vous vivez? Comment je vis? Je vivote. Je vivote, je vis beaucoup de mon jardin. Je ne dépense pas beaucoup de sous. Et ce que je dépense, c'est pour mes bêtes. Ah, d'accord. C'est-à-dire, quand vous dites que vous ne dépensez pas pour de sous, c'est combien, par exemple? Ce que je dépense par mois? Oui. Je n'ai aucune idée, mais en tout, en nourriture, ben, peut-être 150 euros ou quelque chose comme ça, quoi, en fourniture voilà, quotidienne. Vous êtes, avant de venir ici, vous êtes de quelle région? De Seine-et-Marne.
de Seine-et-Marne. Ok, c'est en Île-de-France en fait, c'est ouais, à Paris. Ouais. Hein. Quelle est la différence entre les deux? C'est énorme, il y a un gouffre. Il y a un gouffre. Je ne travaillais pas du tout dans le tourisme équestre à l'époque. Ça me faisait rêver d'avoir un cheval, ça me faisait rêver. Mm-hmm. Je suis partie à l'aventure dans cette région. Et puis, de fil en aiguille, j'ai connu des gens qui avaient des chevaux, qui voulaient les valoriser. Donc, on m'a pris pour travailler dans les chevaux, on m'a fait confiance. Et puis, après, j'ai cherché à avoir une petite propriété à moi. Voilà. Il faut combien de... C'est-à-dire, vous avez mis combien de l'argent pour démarrer, pour investir? Pour les gens qui aussi en ont marre de vie parisienne, juste pour avoir une idée. Ouais, c'était il y a 20 ans, voire 25 ans hein, uh-huh. que j'ai commencé. Alors, uh-huh. j'ai commencé, c'était en francs. Uh-huh. J'ai acheté mon exploitation 30 000 euros. 30 000 euros, donc uh-huh. 180 000 francs. Uh-huh. Et après, j'ai mis à peu près... j'ai mis beaucoup de travaux, quoi. Ça m'a fait, je sais pas si ça reviendrait à 200 000 euros quoi. Ah, d'accord. Et comment vous ressentez de la relation humaine en fait, la différence des relations humaines ici et les relations parisiennes? Ah, mais ici on est en joie quand on vient ici. On arrive dans les magasins, les gens nous sourient, on nous dit tous les jours bonjour. Je croise quelqu'un qu'on connaît pas, on nous dit bonjour. C'est pas pareil. Je peux pas... À Paris, moi, je me faisais bousculer dans le métro, comme tout le monde, quoi. Je me faisais bousculer. C'était pas agréable. Les gens dans les magasins, les caissières, elles faisaient la tête. Elles avaient pas le sourire comme ici. Ça n'a rien à voir. Oui. Je sais pas comment c'est maintenant, mais je suis pas retournée depuis. D'accord. Et ici, les gens plutôt vivaient en autonomie, c'est ça? Ils sont plutôt... Oui. Il y a une génération, ils avaient une ou deux vaches ou trois vaches et ils vivaient en autonomie, ils avaient leur jardin, ils vivent beaucoup de la chasse. Et encore aujourd'hui, il y a beaucoup de paysans chasseurs. Vous sentez beaucoup plus... Vous vivez heureux ici plutôt, c'est ouais. ça? Hein ouais. J'étais tout le temps dans le stress à Paris. J'étais tout le temps dans le stress. J'avais deux heures de métro, bus. Là, j'habitais Melun. À l'époque, il n'y avait pas le métro. Il n'y avait pas de RER. Je prenais le train, le bus, le métro. Non, d'abord le bus, le train, le métro. Et ça faisait 2 heures de trajet. Donc, 2 heures aller-retour, ça fait quand même 4 heures dans la journée dans les transports. J'avais pas envie de ça. J'avais vraiment pas envie de ça. Ok. Est-ce que pour les... en fait, maintenant, il y a l'inflation, il y a toutes les crises, tout type de crises. Est-ce que c'est très loin pour vous ou c'est quand même ça vous concerne? Tout type de crise, même la guerre en Ukraine et tout ça, est-ce que c'est quelque chose assez loin de vous? Ben ouais, c'est loin et proche en même temps. Parce que comme je suis un peu l'actualité, ce qui se passe... Je me dis, de toute façon, il y a 25 ans, j'ai pris la bonne voie. Je me suis dit, parce que j'avais quand même cette idée en tête que la société telle qu'elle était construite, telle qu'elle était basée sur l'argent, qu'elle ne pouvait pas tenir debout, quoi. Et je me suis dit, c'est pas une façon de faire. Donc, j'ai choisi aussi la campagne pour ça. Je me suis dit, non, moi, je veux me débrouiller. Je n'ai pas besoin de qui que ce soit. Quoi. D'accord. Et c'est-à-dire, de toute façon, pour vous maintenant, si jamais il n'y a plus de moyens de gagner 150 euros, parce que vous avez besoin quand même très peu pour vivre, si jamais il y a même... Moi, ça ne m'inquiète pas. Ah, d'accord. Ça ne m'inquiète pas. Je m'adapte. J'ai su m'adapter. J'ai beaucoup changé quand même en 25 ans, quand même. Ah, c'est super. J'ai beaucoup changé. J'ai su m'adapter. Je savais pas faire du jardin. Je savais pas faire plein de choses. J'ai eu beaucoup de connaissances maintenant. Même sur ce qui se mange, même dans la nature. Ça fait début juin que je mange des champignons tous les jours. Ah. Et j'en ai un peu marre. Hein. C'est beau, mais ça, je quand mange même. Tous les jours parce qu'on les ramasse tous les jours, moi et mon compagnon, et que on peut pas avoir des choses se gâcher. Alors, des fois, on va en ville et on va les échanger ou les vendre. Mais sinon, de toute façon, j'en mange tous les jours. Et une petite maison ici, là, ça vaut combien?
Maintenant, j'en sais rien. Il y en a qui se sont vendus à 190 000. Ou 140. Et ici, c'est une ferme, hein, on peut dire c'est une ferme. Voilà, je suis éleveur. Éleveur. Vous élevez plutôt des chevaux. Voilà, plutôt des chevaux. Autrefois, j'ai commencé avec des chèvres. Après, j'ai eu des brebis. Puis bon, voilà, des chevaux avec les brebis. Puis après la tempête, j'ai arrêté les brebis. Et pourquoi ? Parce que ça faisait demander beaucoup de travail et beaucoup de paperasse pour gagner rien du tout. Gagner rien du tout. Puis quand même, les brebis, ça demande beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup de soins. Et moi, ce qui me plaisait, c'est de faire du cheval, quoi, le cheval, et pas donner des animaux à l'abattoir. Ça ne me plaît pas du tout. C'est-à-dire, votre quotidien, c'est comment, par exemple ? Mon quotidien ? Ben, la première chose que je fais, c'est d'aller voir mon jardin. Bon, l'été, je parle de l'été. Et puis après, de voir si tous mes chevaux sont là, qui vont bien. Intersaison, là, comme en ce moment, j'ai plus de temps d'aller me balader. C'est vraiment sympa. En tout cas, il n'y a vraiment pas de stress ici. Non. C'est génial. Ah non, il n'y a pas... Il n'y a pas de quoi avoir le stress. Puis, bon, moi, j'ai pas suffisamment de prêts et j'ai des voisins qui m'en prêtent. On a une solidarité aussi ici. C'est quand même un chouette coin. Ouais, ça change vraiment complètement la vie parisienne. Ah ouais. Salut, il te connaît, hein? Oui. Il t'aime beaucoup.